les élèves vont arriver en Belgique et Provins, évidemment ils vont se préparer, être homologués comme ils le sont à chaque fois, que ce soit en régional ou en national. Et puis là, ils vont concourir pendant à peu près 4 épreuves qui vont constituer le championnat, pour lesquelles le nombre de points les classera bien évidemment par rapport aux autres. Suite à ces qualifications, à ce championnat, ils vont participer à la coupe, où l'élimination sera directe, bien évidemment, le but étant d'arriver le dernier, d'arriver le premier pour être vainqueur de la coupe. Évidemment, là, ceci étant la dernière phase de ce trophée robotique, ce sera une belle finalité qu'ils arrivent ou vainqueurs de la coupe ou vainqueurs du championnat. Si nous étions dans les 5 premiers, ce serait très bien. Les équipes sont, c'est d'un niveau très relevé en européen. Si nous étions dans les 5 premiers, en effet, ce serait un plaisir pour eux, pour moi, pour le travail qu'ils ont réalisé toute l'année. La principale difficulté, c'est quand même le stress. Parce que c'est, il y a quand même une équipe derrière, donc c'est pas facile de réussir à gagner avec le stress. Ça dérange quand même pas. Il y a certains adversaires, ils sont assez nombreux dans les tribunes, donc ça crie pas mal, mais on était nombreux, donc c'était sympa aussi.